YouTube, bienvenue dans mon troisième vidéo, donc la partie 3 sur les guides de runes, où est-ce qu'on va voir toutes les runes dans League of Legends. Donc aujourd'hui, la troisième partie pour Sorcery. Donc on commence rapidement avec Summon Airy. Ça, dans le fond, Summon Airy, c'est une rune qui va faire en sorte que quand on fait du dégât à des champions ennemis ou qu'on empower ou protect un ally, fait que dans le fond, quand on va faire un shield, un heal ou donner un buff de movement speed, attack speed, etc. sur un allié, ce petit summon airy là va partir de nous pour aller sur notre allié ou sur l'ennemi. Si ça va sur un allié, ça va augmenter ça les shield, ça leur fait un shield. De entre 30 à 75 basé sur le level plus 0.22 AP ou 0.35 de bonus AD. Si on le fait sur un ennemi, ça va aller sur l'ennemi et ça va y faire un dégât de 10 à 40 basé sur notre level encore une fois plus les bonus AP et AD. Donc ça, c'est une rune qui va être très bon pour les supports comme Lulu qui peut buffer ses alliés et les shielder et qui peut attaquer les ennemis en même temps. Ça va être bon aussi sur des personnages comme Nami qui a un heal et qui a un truc qui buff ses alliés. Donc bien sûr il y a un cooldown sur Summon Airy. Dans le fond on voit vraiment comme un petit Summon Airy partir sur l'ennemi et revenir vers nous. Une fois qu'il est revenu sur nous, on peut relancer le Summon Airy sur un allié ou un ennemi. Arcane Comet, ça c'est une rune qui va être bon pour n'importe quel mage qui veut faire du poke, que ce soit avec Veigar, que ce soit avec Xerath, peu importe. Arcane Comet, dans le fond, ça envoie carrément, on voit comme une boule tourner alentour de nous quand c'est prêt. Et quand on réussit à hit un ennemi avec une habileté, ça envoie le Arcane Comet sur lui, ça fait une petite zone au sol en rond. Puis ce que ça fait, c'est que ça lui fait du dégât. Donc ça va faire un dégât de 30 à 100, basé sur le level encore, avec un bonus Adaptative Force là, selon si on est AP ou AD. Bien sûr, il y a un cooldown reduction. Quand on fait un single target attaque, ça va être 20% de cooldown reduction, un area of effect c'est 10%, puis le damage over time c'est 5%. Ensuite, on a Phase Rush. Phase Rush, ça va être utile pour n'importe quel champion qui a besoin de mobility et qui pop 3 attaques rapidement. Donc, exemple, Ryze, Ekarim, Garen même, dépendamment de notre match-up, bien sûr. Mais si on a besoin de mobility, ça va être bon. Parce que ça, c'est quoi? C'est que quand je fais 3 attaques ou habiletés sur le même champion en l'espace de 4 secondes, ça va me donner un bonus de 15 à 40% de movement speed, basé sur mon level encore bien sûr, et ça me donne 75% de résistance au slow. Fait que pendant que je prop mon phase rush, on va voir là, il y a comme des petits éclairs ou des petits trucs en tout cas là, qui partent en arrière de nous, comme si on était en train de se péter un burnout. Puis c'est ça, fait que c'est comme ça qu'on le voit qu'on a réussi à popper notre phase rush, puis ça fait aussi un petit bruit là. Puis c'est ça qui nous permet de reconnaître qu'on l'a réussi. Le phase rush, il va être plus efficace pour les champions melee. Fait qu'ils vont avoir de 30 à 60% de movement speed au lieu de 15 à 40. Ça dure 3 secondes, ce bonus-là. Et le cooldown est de 30 secondes au début jusqu'à 10 secondes rendu niveau 18. Ensuite, on a Nullifying Orb. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est un shield. Un peu comme le Maw of Malmortus, quand on arrive à 30% de nos PV, on gagne un shield magique qui est entre 35 à 110, basé sur le level encore une fois, et qui va selon nos bonus AP ou AD. Et ça dure 4 secondes et c'est 60 secondes de cooldown. Donc très simple, une rune que s'il y a beaucoup d'AP du côté adverse, je vais peut-être vouloir prendre cette rune-là, si bien sûr j'y vais avec Sorcery comme primary rune, même si on fait un build, mettons, je sais pas, moi je suis un talon au mid, mettons, puis il y a vraiment énormément de AP de l'autre côté, je vais peut-être prendre de quoi comme du genre comme ça, puis je vais prendre Nullifying Orb, mettons, avec soit Gathering Storm, parce que j'aime ça avoir plus d'AD plus la game est longue, ou Absolute Focus qui va faire en sorte que, ben, en fait je vais les expliquer plus tard, sont dans le
Room Tree, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour Nullifying Orb, c'est un shield. Un shield magique. Mana Flow Bend, maintenant, ça, ce que ça fait, c'est que quand que je hit un ennemi avec un habileté, je vais augmenter mon maximum de mana de façon permanente. Donc, je peux le faire jusqu'à un maximum de 10 fois. C'est 25 mana de la shot que ça me donne pour un maximum de 250 mana total de plus. Une fois que j'ai atteint mon 250 de bonus mana, je vais gagner dans le fond 1% de mon mana qui me manque à toutes les 5 secondes. Puis Mana Flow Bend, ça a un cooldown de 15 secondes au début. En fait, pour toute la game, là, mais je parle pour nos 10 stacks, là, d'arriver à 250 mana, c'est 15 secondes de cooldown entre mes spells pour que ça me donne mon 25 de bonus mana. Donc, très bon pour les champions qui ont besoin de beaucoup de mana, qui utilisent beaucoup de mana. Donc, Ryze, encore une fois, que ses damage, il marche aussi avec son mana. Donc, ça peut être un bon exemple. Ensuite, on a Nimbus Cloak. Nimbus Cloak, ça, c'est très simple. Aussitôt que je fais un Summoner Spell, donc que ce soit mon Flash, mon Ignite, peu importe c'est quoi les Summoner Spells que j'ai pris, ça, ce que ça fait, c'est que je gagne un bonus de Movement Speed pendant 2 secondes qui me permet aussi de passer à travers les units, fait qui me permet de ne pas avoir de Collision Block sur les minions puis tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça increase de 5 à 25% mon movement speed basé sur mes summoner spell cooldown. Fait que plus le cooldown est élevé du summoner spell, plus je vais avoir de movement speed. Donc Flash, qui est un très long summoner spell, va me donner mon 25% de movement speed. Et Barrier, qui est un cooldown beaucoup plus court que Flash, va me donner là, entre 5 à 10%. Donc ça, c'est bon pour les personnages qui ont de la mobilité ou si on a besoin de mobilité. Maintenant, Transcendance. Transcendance, ça, il y a comme trois étapes à ça. Fait que dans le fond, quand que je reach, aussitôt que j'atteins le niveau 5, je vais gagner 5 Ability Haste. L'Ability Haste, c'est ce qui me permet de faire mes habiletés plus souvent. Niveau 8, j'en gagne un autre 5. Fait que déjà là, juste cette rune-là, je suis à 10 d'Ability Haste. Et ensuite, quand j'atteins le niveau 11, quand que je fais un takedown, donc un kill ou un assist sur un ennemi champion, je vais réduire le cooldown qui me reste sur mes basic abilities. Fait que ça compte pas pour la ult, ok? Fait que juste notre QWE, ça va réduire de 20% le temps qui me reste. Fait que si je viens de faire mon Q, puis que mon Q a 10%, 10 secondes de cooldown, ben là, enlève 20% si je viens de faire un takedown. Au lieu d'être 10 secondes, je suis rendu à 8 secondes instantanément. Donc, ça me permet de sauver quelques secondes sur mes habiletés. Ensuite, on a Celerity. Celerity, super simple. Ça augmente tous mes bonus de mouvement sont augmentés de 7%. Fait que, mettons que j'ajoute mes bottes. Mes bottes, normalement, c'est 25. Rajoute 7% à ça. Et la rune en tant que telle me donne 1% de movement speed de plus. Fait que mon movement speed de base, mettons que c'est 300. Et là, je gagne 1% de 300 en partant. Ce qui est quoi? 3. Fait que je serais à 303 au lieu d'être à 300 de movement speed. Mais là, comme je dis, ajoute tes bottes te donnent 25, 50, peu importe. Puis tu rajoutes 7% à ça. Et si t'es un personnage comme, mettons, Ekarim, qui booste ta vitesse de déplacement avec ton E, ben ton 7% s'applique à ça aussi. Parce que c'est tous les bonus. Tu te fais buffer par Lulu, qui a un buff de Attack Speed, Movement Speed, ton 7% y embarque. Ensuite, on a Absolute Focus. Ça, ce que ça fait, c'est que tant et aussi longtemps que je suis en haut de 70% de mes PV, je gagne un bonus adaptatif selon mon si je suis AP ou AD. Donc, si je suis AD, je vais gagner 18 Attack Damage de plus. Fait, ça, c'est très bon comme niveau 1. OK, on s'entend, là. Non, pas vrai, parce que niveau 1, il nous donne juste 1.8. Puis ça stack dans le fond avec notre level. Fait qu'une fois que je suis level 18, si je suis en haut de 70% de mes PV, je gagne 18 attaque damage. Et si je suis AP, ça va être 30 d'ability power. Fait que ça, c'est bon pour si on a un personnage qui est capable de se maintenir en haut de ses PV, puis que tu sais, il veut faire du dégât instantané puis partir, comme mettons Talon. C'est une rune qui est très bonne pour lui. Ensuite, on a Scorch. Scorch, ça, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que je hit un champion, que ce soit avec un basic attack,
un spell, peu importe, aussitôt que je hit un ennemi, ça le fait pogner en feu, puis ça y fait un 20 à 40 de dégâts magiques de plus basé sur le level. Donc, niveau 1, ça va faire 20, niveau 18, 40. Et ça, c'est après une seconde. Fait que dans le fond, j'y fais mon dégât, je fais mes trucs, le A, une seconde vient de passer, Paul, il se met à brûler, 20 dégâts de plus, puis c'est un 10 secondes de cooldown. Fait que ça, c'est très bon pour les trades. C'est surtout bon early, pour les early trades, parce que rendu à la fin de la game, honnêtement, 40 de dégâts magiques, ça fera pas une énorme différence, mais c'est très bon pour être chiant dans une lane early game. Ensuite, on a Water Walking. Ça, ce que ça fait, c'est super simple. Ça me permet de gagner 25 movement speed et un adaptative bonus de force. Dans le fond, si je suis AD, ça va me donner 18 AD. Si je suis AP, ça me donne 30 AP. Base on level, encore une fois. Et ça, c'est quand on est dans les rivers. Fait que pour les junglers, c'est une rune qui est très pratique, comme encore une fois Ekarim. Lui qui se déplace rapidement et que son dégât stack en plus avec son movement speed, ben Water Walking, ça va être une rune qui est très bonne pour lui. Et ensuite, on a Gathering Storm, la dernière rune du Tree Sorcery. Donc Gathering Storm, ça, ce que ça fait, c'est qu'à toutes les 10 minutes, je gagne de l'AP ou de l'AD selon mon personnage. Donc si je suis un personnage AP, je vais gagner de l'AP. Si je suis AD, je gagne de l'AD. Et ça, ça marche comme le tableau qui est inscrit là. Donc 10 minutes, 8 ou 5, 20, 20 minutes, 24, 14, etc. jusqu'à infini. Fait que si ta game a duré 2 heures, petit chanceux, ben rendu à 180 minutes, tu vas avoir un bonus incroyable d'AD et d'AP, là, mais on voit pas ça des games de 2 heures, honnêtement. On voit vraiment pas ça souvent. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une rune pour vraiment stacker. Fait que n'importe quel bonhomme qui va être bon late game puis qui veut que les games durent là, t'sais, des 30-40 minutes, là, ben ça, c'est bon pour ces champions-là. Là, le seul exemple qui me vient en tête, c'est Nasus, parce que ça scale à l'infini. Ou mettons Vhagar, c'est vrai, ça scale à l'infini aussi. Fait qu'un Vhagar voudrait prendre cette rune-là. Donc, et voilà, c'était mon petit tutoriel, là, mon petit guide rapide sur les runes Sorcery, juste un peu plus expliqué. Encore une fois, je fais pas de comparatif ou de comme quand vraiment prendre ces runes-là. Je fais vraiment juste vous les expliquer un peu dans ces vidéos-là, parce qu'après ça, il va y avoir une autre série qui va sortir pour justement expliquer le Champ Select. Donc, une fois que je suis en Champ Select, à quoi je dois penser, qu'est-ce que je dois prévoir et c'est quoi mes win conditions. Donc, quand on est dans un Champ Select, c'est pas juste de choisir son champion et choisir ses runes. Fait que je vais faire une série aussi là-dessus prochainement. Donc, stay tuned for that. Oubliez pas de subscribe, like et tout si vous aimez la vidéo. Et moi, je vous revois dans la prochaine vidéo. Merci.